Ah bah tu m'étonnes, je suis dans le push là maintenant. Ouais ouais, j'arrive. Si je passe trop fort, tu me le dis. Je suis trois coups. Là je suis à Sainte-Colombe. Voilà, je viens de sortir de Sainte-Colombe et je me dirige vers toi là. En arrivant de Bran. Ouais, mais attends, on a le temps avant que tu me. D'abord, faut que j'attrape la direction de... Oh merde. Oh zut. Oh putain, mais je suis toujours pas mieux réveillé, hein, sans déconner. Hein. Oh putain, pourtant ce matin, hier soir, j'allais dire ce matin, quoi. Hier soir, j'ai pourtant pas bu l'apéro ou quoi que ce soit, ni rien fumé. Ah putain, ce matin j'ai du mal. Oui, hein. Il y a des jours comme ça, la voiture marche mieux que le bonhomme. Quoi. Ben déjà par la route, ce sera déjà pas mal. Non mais t'inquiète pas, il n'y a pas. T'affole pas. Quand je vais me rapprocher et que je serai plus très loin, donc là il n'y a pas de souci. Hein, de toute façon, j'ai regardé, là, j'ai vu sur ta petite vidéo un peu le chantier. Bon, c'est un truc qui doit se voir de loin. Hein. Et il y a des chances qu'il y ait des panneaux qui indiquent la direction du chantier. Ça, 3 fois à droite, 6 fois à gauche, après tout droit, puis demi-tour, et 5 fois à gauche, 2 fois à droite. Attends, là tu passes petit, là, avec ton petit machin, là, avec ton petit 22 canaux FM. Ça passe tout petit. Là. Hey, mon antenne de voiture, c'est une antenne américaine, hein, tout comme la tienne. Je suis sur la départementale Castillon-Libourne. Voilà, je suis pas loin d'arriver à Saint-Pédarmand. Donc après à Saint-Pédarmand, en sortie de Saint-Pédarmand, là je prends à gauche, direction Bran. Et après, ben, toujours tout droit en prenant les virages. Je dis que s'il pleut pas, il fera beau et on pourra aller à la plage. Je suis en train d'arriver sur Bran. Ah, j'ai attendu le téléphone. Ok. Ouais, voilà, je suis de retour. Je suis sorti de Bran. Je suis en direction de Farc Saint-Hilaire. Oui, c'est ça, c'est là où tu es. Ouais, attends, j'ai mis un petit moment là avant de reprendre les micros. J'entendais de la moustache BLU. Alors je suis allé voir ça et puis bon, ça s'est coupé au moment où tu as repris le micro. Donc, parce que je sais dans le coin il y a des stations en fréquence. Putain mais hey, j'ai qu'une seule voiture devant moi. Il me roule à quoi, à 60? N'importe quoi. Et où là exactement? Ah, sur la route. Alors j'ai 2 voitures devant moi et putain ça avance pas. Et après, hey, les voitures disent que les camions ceux-ci ou les camping-cars ceux-là. En fin de compte, c'est les voitures qui font les cons sur la roue, à ne pas avancer. Alors, un panneau, eh bien j'en vois des panneaux, mais c'est pas bon. Bon, bref, entre Bran et là où tu es.
Regarde, j'ai une antenne sur la voiture. pour l'instant, ben justement, je suis pas du tout. Je suis en plein sur les routes de campagne. C'est. Au fait, si je t'arrive trop fort, tu le dis. Hein. Non, pour l'instant, c'est une signal de tête. Hein. Bon, d'accord, ok. Vu qu'on est assez près, je vais couper ce que j'ai derrière. Et remonter la puissance du poste. Voilà, là je suis qu'avec. Attends que je regarde un truc, parce qu'en plus de ça, ouais, j'ai un petit souci de tos. Je peux pas attraper le batteur que j'ai sous la main. J'arrive à Tizac. Voilà, Tizac. Tu arrives. Oui, depuis Brann, Tizac. Voilà, qui doit être à mi-chemin hein, entre Brann et toi, quoi. Voilà. Là, j'ai pas d'autres indications à te donner, quoi, si ce n'est que Tizac. Ah, je regarde sur ma carte, je comprends pas exactement. Ça, par contre, qu'est-ce qu'il y a comme QRN? Attends, bouge pas. Je me garde sur le côté parce que ce que je vois là sur l'affichage du poste, ça ne me plaît pas du tout. Il faut que je matche un petit peu. Ouais, pour te dire davantage, normalement il ne faut pas parler pour faire ça. Alors. Hop, non, là ça monte. Là voilà. D'accord. Attends, je suis en train de matcher un peu. J'ai un souci d'embase. J'ai l'embase de l'antenne là qui est en miettes. Pourquoi ça ne veut pas matcher? Non mais c'est en train de me faire une blague là en ce moment. Il n'y a pas moi qui est dans le coltard ce matin. Le matcheur avec. Alors attends. Là je suis rendu à 1,6. Non. On descend. On veut pas descendre. Bon ben c'est pas grave, je vais faire avec. De toute façon 1,6 c'est pas bien méchant, je vais faire ça comme ça. Et puis bon, c'est juste le temps d'eux et je verrai ça après. Voilà, ça va commencer à remonter. Non, mais là, je sais qu'avec le poste, c'est tout. Ok, alors. Je suis en direction de Camersac. C'est ce que je viens de voir. De toute façon, je suis dans ta direction, ça, c'est sûr. Ah bah décidément. Bon. Ok, voilà. T'as qu'à avoir du bon matériel toi aussi, quoi. Ah si. Bon, j'ai rallumé la cavalerie, c'est pas grave. Alors, Caronzac ou Caronsac. Quelque chose comme ça. Voilà. Je viens d'arriver à Caronzac. À Caronzac, je suis en train de faire un carton de Caronzac. Putain, ce village, quand tu rentres dedans, tu fais entrer et sortir. Quoi. C'est tout juste si tu as le temps de finir une phrase que ça y est, tu as déjà atteint la sortie du village. Ouais, à bonne voie, 14 km. Ouais, et puis là, il faut dire aussi que tout à l'heure, quand tu m'entendais plus, j'avais des coteaux, ceci, cela, qui me bloquaient un petit peu. C'était pas terrible. Là, voilà, je suis en train de remonter la surface. Et j'arrive à Saint-Quentin-de-Baron.
Bon, là, ça te parle un peu plus. Ah, 50 ans, ok, d'accord, pas de problème. Je sais où tu es, là. Putain, oui, là, je dois pas être très loin, puisque vu comment tu m'arrives... Voilà, j'ai tout recoupé derrière pour être juste avec la puissance du poste, parce que là quand même aussi près, si tu n'arrives pas à m'entendre, c'est qu'il y a un problème. Non, non, c'est bon, pas de problème. Ouais, donc comme je disais tout à l'heure, là j'ai j'ai dû mettre en vitesse un matcheur entre le poste et l'antenne. Car je me suis rendu compte là ce week-end, là où j'étais au boulot, je voulais sortir l'antenne. Bon, ok, je la dévisse et tout. Et je me rends compte de quoi que l'embase que j'avais, l'embase perçage que j'avais, allait éclater en plusieurs morceaux. Alors j'ai vite attrapé une embase magnétique. La longueur de câble étant différente, ceci, cela, forcément, et bien au niveau tos, ça change un peu aussi. Logique. Ça, par contre, l'histoire de longueur de câble, ça, c'est un sujet qui divisera toujours tout le monde. Ça. Personne n'arrive à tomber d'accord là-dessus. Mais en attendant, quand tu changes la longueur de câble, tu t'aperçois que tu as des différences au niveau tos. Bon, on va pas chercher. Sur le point de vue technique, ce que ça veut dire en réalité. Mais bon, les faits sont là quand même. Alors du coup, là, j'ai branché un matcheur, là, vite fait, comme ça, parce que bon, c'est du temporaire. Hein. Il faut que je passe commande, là, pour une nouvelle embase perçage, mais un peu plus conséquente. Et puis, je réutilise le câble d'origine. Le câble d'origine, lui, est soudé sur la PL de perçage. Donc je vais la dessouder, je vais mettre une fiche, une genre DV ou quelque chose comme ça à la place pour refaire un montage correct sur quelque chose de plus solide. Et là pour le coup, vu que je ne toucherai pas à la longueur de câble, normalement au niveau tous, ça devrait être pareil que avant. Normalement, ouais. Ça devrait être pareil, mais bon, ça, seul la Oui, voilà, parce que bon, c'est vrai que dans le normalement, ce qu'on entend par là, c'est que ben, l'antenne elle devrait être un petit peu plus haute sur l'embase par rapport à ce qu'il y avait d'origine. Bon, c'est la seule différence qu'il y a. En principe, il ne devrait pas y avoir de changement, puisque c'est juste une PL, mais bon. Camersac, voilà, c'est par là. Mais bon, comme tout changement, toute modification, quelle qu'elle soit sur la ligne, enfin entre le poste et l'antenne, doit amener systématiquement un contrôle du tos. C'est vrai qu'il y en a qui ont du mal avec ça. Mais bon, faut systématiquement contrôler dès qu'on change de quoi que ce soit entre les deux, quoi. Moi, niveau coaxial, moi, j'ai mis de l'artel, comme ça, le moins de pertes possible. D'accord, là, je suis avec le câble d'origine Wilson, qui est un 7 mm. Et effectivement, j'ai bien vu qu'il était plus sérieux que les câbles d'origine pour push, hein, qui sont en 6 mm, et dont tu arrives même à voir la tresse à travers le plastique. Non, je déconne. Par contre, dans la pression, on avait vendu son câble et puis son embase, automatiquement, le câble j'avais une RTL5, donc automatiquement, j'ai fait le câblage moi-même. Toi, tu parles de l'antenne Striker, j'ai regardé des vidéos sur internet, putain, mais c'est clair comme un sapin de Noël quand tu passes en émission. Quoi. C'est les papas 22 qui doivent être contents avec ça. Quoi. Ils savent quand tu prends le micro, chie. C'est sûr que cette antenne-là, de toutes les antennes que j'ai eues, celle-là, c'est la plus performante. Pourtant, j'en ai jamais eu une qui était aussi performante que celle-là, même pas la 5 secondes. Ouais, ben c'est vrai qu'elle a l'air pas mal, quoi. Mais c'est le fait qu'elle s'éclaire que je trouve un petit peu chiant, quoi.
Et tu peux pas l'enlever comme tu veux, quoi. Enfin, tu peux pas du tout couper le néon qu'il y a dedans. Ouais. C'est un petit peu le côté emmerdant, ça. À propos, tu voudrais couper quelque chose dedans? Le néon, pour rester incognito quand je passe en émission. Voilà, parce que regarde la nuit. T'as des papas 22 quelque part, t'as l'antenne qui s'allume. Les mecs, s'ils sont pas trop donneux, ils sauront de suite que t'es en train de passer en émission. Bon, je sais que la CBI, c'est pas le téléphone. Donc, c'est géré différemment, ok. Mais bon, n'empêche que... Ah, il y a une LED à l'intérieur qui s'allume. Oh, c'est pas gênant, hein. Ouais, je sais, en déconnant avec YL, justement, elle me dit comme ça, bah, tu mets un coup de pompe de peinture noire, quoi. Et ça se verra plus, quoi. Ah bah oui. À condition de mettre de la peinture qui ne contient pas du métal dedans. Ah ouais, c'est la peinture à l'eau pour l'extérieur. Celle-ci, là, t'es tranquille. Oh, du marqueur noir dans ces cas-là, c'est pas mal aussi, le marqueur noir. Putain, je suis en train de passer à côté d'un chantier. Non, tu m'as dit Farc Saint-Hilaire. Donc c'est pas là où je viens de passer. Ouais, faut que tu rentres dans Farc. Ouais, ok, ouais. Non, j'y suis pas encore. J'ai des tortues devant moi, là, ça roule à quoi? 60, 70, pas plus. Bon, je rentre dans Camarsac. La traversée de Camersac, putain, ça doit être la hantise pour les camions. T'as une série de haricots faits volontairement, hein, pour faire ralentir les jambes. Mais on est passé par là ce matin, hein. C'est ce que mon collègue me disait tout à l'heure, quand on était en train de passer. Putain, les mecs, ils ont fait cette route, ils n'ont pas pensé au camion. Hein. C'est vrai qu'ils ont fait n'importe quoi, là. Ben disons que c'est tellement droit qu'il y en a, puis en plus avec la descente qu'il y a et tout, il y en a qui doivent se lancer, quoi. Là, ça doit faire tout chou, ça, dedans. Alors t'as un piéton qui passe, et ben tu le ramasses, hein. Ben, c'est pour ça qu'ils mettent des chicanes et des trucs comme ça, et des ralentisseurs pour faire ralentir les voitures. Oh, c'est moins pas une connerie à la télé, quoi. C'est sur... aux actualités. Justement, ça parlait des villages qui enlevaient les ralentisseurs. Et là, une bonne femme qui me dit comme ça, en plus, ces ralentisseurs, ça fait ralentir les voitures. Oh, je me suis dit, mais quelle conne, celle-là, c'est justement fait pour. Ouais. La bonne femme, elle n'avait pas compris que les ralentisseurs étaient faits justement pour faire ralentir les voitures. Ça, dans sa tête, c'était pas très logique, ça. Attends, je vais demander. Jeff, tu m'entends? Ben ouais, je t'entends. Tu l'entends, mon copain qui va derrière, non? Ah, non, je t'entends pas. Là, il arrive, il est à 5 km. Ah, je l'entends aussi, il est 73, bien le bonjour, hein, de Dandy 33. Ok, Roger, Dandy 33, je t'entends, mais loin, moi. Hein. Loin, waouh, loin. Ah bon, elle fait combien ton antenne sur la voiture, là, 30 cm? Non, mais ça c'est normal, tu comprendras quand tu verras. En fait, les camions chez nous, si tu mets pas ta propre CBI, ta propre antenne, les trucs d'origine, c'est les Johnson 2 qui sont en origine, quoi, un watt en AM, 14 en FM, avec les antennes de merde, en plus, j'arrive à tomber. Ah, le radar, tiens. Oh d'accord, c'est foutu radar blocos. Il a été complètement tagué, le truc. Ah bon, il l'a vu ce matin, ouais. C'est passé devant, et justement, j'ai mis des wagons, ils l'ont mis en peinture. Ouais, pas de problème. Ah, tu m'étonnes. Quand tu vas arriver dans Farc, tu vas arriver à un rond-point, avec ouais. Le super huette à droite, et bien au rond-point, il faudra prendre à droite. Eh bien justement, j'arrive au rond-point à l'entrée, à Farc 4 km.
Oh, ça doit pas être très loin, puisque là j'ai des tours de j'ai un espèce de château là sur ma droite. Ah bah bon, faut que tu rentres dans ça, c'est obligé. Oui chef, bien chef. La Plantaire, voilà, j'arrive à La Plantaire. Ouais, bah, j'ai grand, façon que tu vas rentrer dans ça. Il y aura le rond-point, bah, normalement, 300 mètres avant, tu auras un panneau, ça sera marqué Super U à 300 mètres à droite, le rond-point, bah, tu tourneras là. Fargue Saint-Hilaire, tout droit. Bah, voilà. Alors, c'est l'occasion de dire que là, on n'a pas besoin de GPS. Hein. Avec la CB, on peut faire des radioguidages et puis on y va. Hein. Et c'est même mieux parce que le GPS, lui, risque de m'envoyer à Marseille pour le coup. Ouais, bah, c'est vrai que GPS aussi. Je n'y fais jamais attention. Mon GPS, en fait, il me sert uniquement à me dire combien de centaines de mètres il me reste du prochain rond-point pour que je puisse sortir. Ouais, bah, tu m'étonnes. Alors, ça me rappelle un truc, ça. Une année, là, qu'on était en vacances en Bretagne, on retourne, tout ça, bon, on arrive, bon, on descend et tout ça, tac. Arrivé vers Sainte, le GPS voulait nous envoyer sur... Ah, zut. Non, c'est pas La Rochelle, mais l'autre en dessous, là. Entre La Rochelle et Marraine. Merde, je sais plus comment il s'appelle. Comment s'appelle cette ville qu'il y a là, sur la qui est assez près de la côte. Donc bref, le GPS voulait nous envoyer à l'opposé de notre route. Et du grand n'importe quoi. Du coup, ben, je l'ai éteint. Hein. Et puis voilà. Après, comme ça a été nettement mieux. Attention, les GPS, c'est de la merde. J'aime pas trop les GPS, moi, je travaille pas avec ça. Ça me sert juste pour me donner le nombre de centaines de mètres qui me reste du prochain rond-point. Ça ne me sert qu'à ça, il n'y a rien d'autre. Ah, bien sûr, mais tu m'étonnes. C'est sûr, hein, non, mais t'as bien raison. Hein. Et encore, quand tu arrives sur un rond-point, le GPS, il comprend plus rien. Il a du mal à suivre le mouvement sur le rond-point. Bon, tu dois plus être loin là maintenant parce que le signal il arrive fort. Ah, pourtant, je suis qu'à... Ouais, je vais baisser un peu. Je viens de... Merde, j'ai même pas regardé le panneau, moi. Super U à 300 mètres. Voilà, à 300 mètres, au rond-point, à droite. Voilà, là, je suis au mini de la puissance du poste. Signal 9 plus 10. Ça va, t'étais à 9,20, là, il y a 10 secondes, t'étais à 9 plus 20, maintenant t'es descendu à 9 plus 6. Ah ouais, ben, je suis au strict minimum du poste. Ah bah, mon Toulouse, il est annulé, moi. Ah bah, d'accord. Ah bah, de toute façon, on sait pas combien on sera vite, alors. Moi, je sais même pas si mon parent dit sans mort, il va pas être annulé ou quoi que ce soit, je sais pas. J'ai le Super U à ma droite. Tu vas, tu continues, au bout, au rond-point, bah, tu prends à gauche. Tu vas passer ton sentier qui sera sur ta droite et où on doit viser. Tu continues, tu vas jusqu'au bout. Au bout, tu arrives au stop, bah, tu prends à droite et on est bien au rond-point. C'est toi le canari jaune? Oui, monsieur. Ah, mais il y en a deux, gars. Oui, nous sommes deux. Et quand tu vas arriver sur le rond-point, bah, le premier qui va arriver derrière son cul, c'est moi. Voilà. Moi, je serai sur la droite et mon collègue est sur la gauche. Ah ouais. Si tu vois... Ah merde, j'étais en train de chercher une connerie, mais elle n'est pas venue. Quoi. Un Duster blanc avec antenne au centre du toit, eh bien c'est moi. Ah putain, ils ont mis des stops par ici, quoi. C'est nouveau ça. Ça sert à quoi un stop? Je sais pas, c'est la première fois que je viens ici, moi, donc... Je savais pas comment c'était avant. Oh! Ouais. Putain, je vais faire le tour du propriétaire. Oh putain, cette antenne! Allez, ça c'est dans la boîte, ça. Ah oui, ça c'est dans la boîte.
Tu m'as compris, tu me connais. Je pense qu'il va y avoir des photos sur Facebook. Oh, plus que ça, même. Même te garer devant moi, il n'y a pas de problème, il y a de la place. Ok, je viens de dire un petit bonjour à ton collègue, là, voilà, c'est un petit signe de la main. Ok, ça marche. Putain, deuxième tour, voilà, on en remet une couche, là. Ah oui, ah oui, oh merde, j'ai une voiture derrière moi. Voilà, ok, ça marche. Donc, eh bien voilà. Voilà à quoi ça sert la CB. Aussi, là, on est dans le cadre CB utilitaire, là. Voilà, donc plus un bon petit radio guidage. Voilà, c'est fait. Et bien voilà, bon petit visu de fait, bien sympa. Ok Pascal, merci pour ce visu là, c'était vraiment sympa. Très content d'avoir vu l'antenne, surtout le poste. J'ai essayé de te le voler, mais t'étais à côté. Quoi. Ah putain, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un là qui soit à côté pour empêcher de voler quoi que ce soit. Quoi. Le pire, c'est qu'en plus, il faut se filer pour aller tirer parce que à la main, tu pourras pas la défouter. Oh putain, en plus. En tout cas, là, t'es parti pour être là la journée, peut-être la nuit avec. Ah, chie trois coups. Je sais pas, t'as à manger avec toi, tiens, je m'en suis dit. Ah, je crois que tu vas pouvoir lui envoyer un SMS. Oh ouais, je suis persuadé qu'il faut que je vende le Yazoo. Il marche pourtant très bien, j'ai zéro problème avec. Ouais, ah. Zut, fais chier. Ouais, résiste. Putain, ouais. Si je le vendais facilement encore. Mais bon, sur internet, moi je suis pas. Vendre sur internet, c'est pas mon truc. Je suis peut-être de la vieille école, mais bon. Peut-être en passant par SAV Radio 33. Lui, je le connais bien. Lui, j'ai confiance. Lui, il n'y a pas de souci. Faut que je réfléchisse à la question. Bon, d'ici là, j'aurais dormi, j'aurais peut-être changé d'avis, mais là, la seconde, t'as, je trouve même plus mes mots, moi. Ah, c'est pas mon striker, t'avais trouvé à ce point, alors. Ah, si, trois coups. Là, mais comme je disais tout à l'heure, là, de visu, c'est vrai que là, je me rends compte que je descends très peu en SWL sur les bandes basses. Si c'est une fois dans le mois, c'est peut-être tout. Et puis de toute façon, je suis cibiste, hein, donc j'aime bien que le poste a une gueule d'un vrai poste cibi. C'est déjà par-dessus tout, il y a déjà ça. Et c'est vrai que même si je suis très content du Yazoo, ok, ceci, cela, mais il y a. Il a pas la gueule d'un poste de cibi, puis il n'est pas fait pour de toute façon. Mais il manque quelque chose. C'est la façade du tien sur le Yazoo. Bah, surtout que, mis à part les très grandes masses, les très grandes masses, ils ne sont pas dessus, sinon,
Toutes les fonctions que vous avez sur vos Oh oui, tout à fait, exactement, ouais, c'est exactement ça. Et pour les fréquences basses, c'est vrai que j'ai un petit portable, un petit poste portatif, je veux dire, qui fait des câbles électriques en même temps, récepteur, hein, un poste de radio si tu préfères, mais avec la bande HF en plus dessus. Donc sur le côté, j'ai une prise antenne externe via un jack 3.5 plus, enfin bon bref, un adaptateur. Qui me permet de pouvoir éventuellement le brancher sur l'antenne de CB, hein, si je veux écouter correctement. Donc à la limite, j'ai toujours ça. Donc là, ouais, faut que je creuse la question. Et en plus, le numéro 1 rapace, il a le manuel en français. Je sais pas comment il l'a eu, mais il a le manuel en français. Ah, je suis trois coups. Oui, mais l'a eu en français par quelqu'un. Ah oui, tu vois ça comme ça, toi. Ah ouais. Là, chapeau bas pour la traduction. Ah, ça serait une exception, je te l'enverrai par messenger. Ouais, non mais attends, rien n'est fait. C'est... Ah zut. Quand ça chatouille, ça chatouille. Ouais. Alors c'est vrai, comme je te disais, de toute façon, là, la marque Striker, ça fait longtemps que je la connais. Là, j'en ai déjà pas mal, hein, de partager sur le forum. Bon, jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'est bien le premier que je vois de près, quand même. Ah ben voilà, tu pourras dire que tu l'as vu de près, hein. Ah oui, j'ai même pu le prendre dans la gueule, même. Non, je déconne. Attends, qu'est-ce que je fais, moi? Ok, voilà, direction Bergerac, c'est bon. Direction Castillon, je veux dire. Ouais, non, mais c'est vrai que... il est comme... parce que sur les photos... Bon, c'est vrai que c'est bien beau sur les photos, mais c'est plat. Il manque quelque chose. Là, oui, c'est... là, tu peux le visualiser en 3D, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Ouais, genre, il a fait des kilométrages, hein, du Canada en France, il a 6 000 km dans les dents. Ah oui, toi, c'est un modèle unique en plus que t'as. Hein. Enfin, je veux dire, unique par sa destination. Quoi. Ah ouais, bah, celui qui vient directement de là, ouais. Oui, via un passage au Québec. Hein. Ah ouais. Ah, mais c'est vrai que. Ça, j'ai oublié son nom. La boutique au Québec, hein. Ah, c'est vrai qu'il est super, oui. Et quand je regarde ses vidéos, tu t'éclates. Hein. Ouais, Jacques. Voilà, Jacques, c'est ça. Et c'est vrai que, oh putain, une fois à propos de ses vidéos, il faisait il parlait de. Normalement, le but des boutiques, c'est de présenter un peu leurs produits et tout, ça, tac, les bons côtés. Lui, une fois, il a fait une vidéo. Et il a présenté tous les mauvais côtés d'un poste. Je ne sais plus quelle unité c'est, un petit. Jusqu'à devant la caméra, j'étais placé l'unité sous un tractopelle et faire rouler le tractopelle dessus. Quoi. Oh putain, cette démonstration quoi. Oh, oh, oh. D'accord. Oui, oui, il faudra que j'aille sur sa chaîne YouTube là, que je retrouve cette vidéo. C'est excellent, excellent, c'est incroyable mais vrai comme. Là tu t'es dit, lui au moins, il ne trompe pas ses clients. Il leur montre la réalité. Ah oui, tu m'étonnes. C'est sûr qu'il peut fonctionner quand même, au prix où il est, de toute façon, déjà, oui, il a intérêt à fonctionner correctement.
Et en plus, le truc qui m'a bien plu aussi, c'est pour en conduite de nuit, là, la façon dont tu peux régler progressivement l'éclairage. D'autres, comme le dimmer, c'est soit un coup faible, un coup fort. Ça, je me souviens, j'avais ça sur le président Grant dans les années 80-90. Voilà, j'avais. Ouais, dans les années 80. J'avais aussi le dimmer dessus, mais c'était juste fort faible. Sur d'autres pas, sur pas mal de pas, c'était juste ça aussi. Sur le tien, c'est vraiment progressif. Et pour la couleur bleue, par exemple, si bien souvent le bleu est trop flashy, ou je vois sur le Lincoln, le bleu, mais il est moyen, tu as du mal à voir, la façade. Là, par contre, sur le tien, ça reste nickel. Ah, et puis moi, en pleine nuit, quand je roule de nuit, dans la cabine aussi du verre rouge, et en couleur de striker, je mets en rouge exprès, et puis le dimmer assez faible, et nickel. Comme ça, je suis pas ébloui, puis ça agit bien avec l'image de la couleur de la cabine. Ok, ben là je viens de passer là en bleu là sur le mien justement là pour qu'on voie la différence. C'est quoique là. Ah si là on voit bien. Donc c'est en conduite de nuit que le bleu ne doit pas être terrible. En conduite de nuit, moi j'aime bien sur le mien par exemple le orange. Bon j'ai trois couleurs seulement, orange, bleu, vert. Ok. Voilà, je viens de basculer en vert pour qu'on voie la différence. Voilà. Le vert en journée, par contre, c'est vrai que je le préfère. J'y vois mieux. Bon, t'as vu, pour voir de près, je suis obligé d'y mettre des lunettes. Donc, en jouant sur la couleur, j'arrive comme ça à récupérer, à bien voir la fréquence qui est assez petite sur le mien. Ah, tu t'éloignes, je commence à faire du signal. Ok, ouais mais ça c'est parce que t'as du matériel de merde ça. Moi j'ai remonté un petit poil sur le poste, bon j'ai quand même, derrière c'est quand même en marche. Ah pourtant, ouais non mais c'est vallonné aussi là où je passe. Ah ouais je suis bien. De toute façon, cette route-là, je crois que tu la connais aussi. Hein, direction, ben, j'attrape direction Bran, hein, de ce côté-là. Ben oui, c'est pareil que tu es arrivé, quel coup. Ouais. Bon, t'as toujours pas de news pour savoir quand est-ce que tu seras livré, quoi. Ah non, toujours pas. On va passer la journée ici, je pense que la nouvelle sera la même pas de l'église. Vu qu'il est déjà 11h25, à midi, à mon avis, on peut partir manger. Donc, si tout est vivant, ce sera sûrement vers 13h30-14h. Ouais. Bon, autrement dit, si le week-end prochain, je passerai, c'était toujours là. Hein, voir si t'as pas trop desséché d'ici là. Voilà, je te comprends quand même partie de l'histoire quand même. Un chez trois coups, imagine le coup que l'on. Bah, ouais, tiens, sur le dimanche, là, RT95, moi j'entends des mondes marines, là, il y a les. Comment dirais-je les informations et les hauteurs de la garotte. Ah, c'est en train de déborder par endroits. C'est vrai que j'ai entendu parler de ça, qu'il y a des endroits là, c'était pas très sec. Non mais c'est souvent aux attentats qui donnent des hauteurs, des écus, des voilà, c'est souvent que j'ai entendu sur le canal de la marine nationale. Ok, d'accord, voilà, j'arrive à 50 ans de barreau. Voilà, je suis en train de rentrer dedans. Là. Putain, je suis en plein AQRM, je t'ai entendu parler, mais bon, c'est tout. Hein. Attends, je suis en plein AQRM. Voilà, je suis en train de sortir de 50 ans de barreau, là ça devrait s'améliorer. Là.
Ah putain, je vais atterrir dans une descente. Ah, ça va, ça passe bien. Ah bah tu m'étonnes. J'ai la cavalerie qui est derrière aussi, hein, ça peut. Hein. Ah bah voilà pourquoi. Ah tu m'étonnes. Je vais commencer, puis en plus t'as un peu de QRM de ton côté, d'après ce que j'ai entendu là dans le poste. Et en plus de ça, vu comment c'est vallonné et tout, je préfère te l'enclencher comme ça, moi, t'es sûr d'entendre correctement. Ouais, non, bah, ça passe encore. Bon, il y a un petit peu de QRM derrière, mais ça passe encore. Ah, ben heureusement! Heureusement, quand même! D'accord, on va signer à l'Omega 7, ça va me dire encore. 57? D'accord, bah oui, ouais, tu m'étonnes. Je sais pas à quelle distance je suis là maintenant, là, mais bon, ouais, là ça va quand même, c'est correct. Et si tu veux, on peut je crois que, si j'ai bien vu, ça doit être 54 ou 55, un truc comme ça, si j'ai bien vu. Attends, ça va du mal à préciser ce que tu dis. Ah ouais, je suis dans un trou. Plus les QRM que t'as, ouais c'est ça, 55, ouais, à peu près. Ah ouais, je t'entends bien, ça va, ça s'est calmé de mon côté au niveau QRM. Et là, je vais contourner un coteau, donc là, effectivement, j'arrive à Tizac de Curton. Là, avec le coteau, ça va être un petit peu compliqué, là. Alors, Cusac de Curton. Voilà, Cusac. Donc là, je suis jeté là sur ma gauche avec le coteau. Hein. Ouais, là, puis j'ai retrouvé mes copains QRM. Ah, si, non, mais c'est bon, là, je m'éloigne à nouveau. Je sors du village. Je sors de Tison. Non, j'attrape Bran. Bran, le pont Eiffel. Et direction Saint-Pédarmand. Voilà, Saint-Pédarmand. À mi-chemin, après, avec question de la bataille, je tourne sur la gauche, direction Sainte-Colombe. Ah oui, donc il prend le tour par Bran. Je pensais qu'il venait par Saint-Pédarmand. Ah ouais, donc tu as sorti pas de moi, Bran. Ouais, ben je suis en voiture, hein, donc moi ça passe plus facilement par Bran. Ok, d'accord. Ah, ouais. Ouais, c'est donc que nous, on passe pas par Bran, nous quand on passe par Saint-Pédarmand, avant c'est l'itinéraire des convois, c'est par là, c'est par Saint-Pédarmand. Ouais, d'accord, je savais pas du tout, tu vois. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, à Libourne ou au Picarou, à chaque fois, je vois prendre la direction de Bran, je me dis, putain, mais avec le pont Eiffel, comment ça passe? Bon, ben là, j'ai compris, ouais. Ça passe pas. Ça passe par Saint-Jean-de-Léniac. Nous, quand on voit les convois, ils font Libourne, Ah ouais, d'accord, ok, ouais, j'ai bien compris. Bon, t'as prévu à bouffer pour ce midi, parce que je vois il est 11h30, quoi. Ouais. Bah, moi j'ai ce qu'il faut au frigo du camion, hein. J'ai à manger, il n'y a pas de problème. T'as pour la semaine, c'est ça, hein? Oui, c'est là, je suis tranquille, j'ai toujours à manger dans le camion. Ah, tu m'étonnes, voilà, je suis en train d'arriver dans la grande descente là sur Bran. Ah,
avec P. Duprat en banlieue de Brann. Putain, si on peut appeler ça la banlieue, quoi. Voilà aussi, là, je tombe en plein dans les QRM. Je te récupère, là, en sortie de Brann. Parce que là, ça va pas le faire, là, dans Brann. Ah, je te reprends de l'autre côté. Hein. Ah, quand on a de la ferraille comme ça autour de soi, il vaut mieux éviter de toucher le micro. C'est des coups à faire monter le tous en pagaille. Voilà, on est sorti. Voilà, de retour, je suis sorti de Brann, j'ai passé le pont Eiffel. Oh, toi, comme c'est là, t'es au téléphone. Attention, Monopoly, est-ce que t'es de retour? Ah, il a dû être appelé comme c'est là. Eh oui, il est au boulot. Bon, ben, si des fois t'es quand même, malgré tout, t'as une oreille quand même sur le poste, ben, je viens d'arriver à Saint-Pédarouen, je suis pas loin du QRA. Alors, je vais t'envoyer des bonnes sur 13.51, bon gastro pour tout à l'heure, car il est déjà midi moins 20. Et puis, bon retour si on se recopie pas d'ici là, et à la prochaine. T'es, je viens de croiser un fourgon avec une antenne de Sibi dessus, là. Ils sont en train de se parler entre eux. L'avantage de la AM comme ça sur la FM, c'est que là, j'ai pas besoin de mettre le squatch, c'est-à-dire le limiteur de bruit de fond, et ça me casse pas les oreilles pour autant. Pourtant, au niveau qualité, la FM est meilleure. À Sainte-Colombe. Ah bah oui, allez, c'est parti. C'est une blanche, c'est... Ouais, je suis rendu au QRA. Ouais, voilà, je suis rendu au QRA. Je suis rendu, bonne route à vous, à plus. Eh bien. Ouais, voilà, je suis garé chez moi, là, si tu m'entends. Et attends de parler.
Ouais, Monopoly, t'es toujours là? Ouais, toujours là. Ok, voilà, je suis rendu au QRA, là je suis sur le sur la station du QRA. Ah bah c'est bien. À propos, t'as le bon coup, c'est un qui connaît tout, c'est lui qui a étonné Philippe de Voyage. Et c'est lui qui... Hein? Et c'est lui qui t'a mis en relation, ça a mis en relation avec... Ok, d'accord, ben, tout ça retourné à lui. Ah ouais? Bon allez, vu l'heure, ouais, ben là, je vais pas tarder à passer au gastro. J'ai du boulot en montage vidéo, parce que là, pour le coup, ça va pas le faire en une seule. Sinon, ça va faire un truc bien d'une heure et demie, peut-être. Et si, trois coups. Donc là, j'ai du boulot là sur le sur la table, avec tout ce montage vidéo double. Ouais, je vais faire deux vidéos. Putain, tout ce blabla, juste pour dire ça, quoi. Donc je vais te laisser, bon gastro pour tout à l'heure, bon retour après sur la route, et je te dis à la prochaine avec tout ça. Ah bah oui, il n'y a pas de problème. Alors bon gastro, bonne journée, et puis à la prochaine, et merci de ce petit contact, là, merci beaucoup. Oui, oui, ben merci aussi, hein, très content de t'avoir vu de près, de te connaître, d'avoir pu toucher ton poste. L'antenne, j'ai essayé de l'attraper, j'ai eu beau grimper, escalader, mais bon, elle est bien perchée l'antenne. J'ai pas pu te la tirer celle-là. Le poste, bon, ben il est boulonné, il y a un antivol dessus, j'ai pas pu l'enlever, le récupérer non plus, bon ben c'est pas grave. J'aurais dû écouter les conseils de la station là, le dernier coup, quand t'étais sur le centre routier. Voilà, là, venir dans la nuit, prendre un escabeau, puis aller hop, vite décrocher tout ça et me sauver en courant. Là, je déconne. Allez, les 73 à vous deux et à la prochaine. Ok, je vous remercie à toi la prochaine. Ok, merci, bye, et bon gastro.